Retenez bien ceci. Si un couple kama est uni autrement que ne le permet la parole de Dieu, eti kama ndoa imeunganishwa kinyume na gisi neno la Mungu naruhusu, leur mariage n'est pas légal. Eti ndoa yao haiko halali. On a vu comment cette station n'a pas changé dans le mariage mixte. Vous savez que cette station peut aussi la lire dans, sur le mariage mixte. Inaweza weka kama unataka oa tofauti na vile neno linasema. Si tu veux te marier contrairement à ce que dit la parole. Ile ndoa yako haiko hayo. C'est ton mariage là n'est pas légal. N'importe qui n'apashwa kuambia même si ulikuwa ushafika munaziri vunja buchafu parce que ni contre neno la Mungu. N'importe qui peut te dire même si tu étais arrivé au point d'y ve, on peut détruire ça parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Sababu haipatani na neno la Mungu. Donc mapatano. Tous les accords. Ndoa. Le mariage. Naziri. Le vœu. Iende kwanza sawa sawa na vile neno linaita. Que ça marche selon la parole de Dieu. Bikiwa tofauti na vile neno linasema. Si c'est contraire à ce que dit la parole. Le mariage haiko légal. Ce mariage n'est pas légal. Question réponse. Ni katika ujumbe maswali na majibu. 28 juin 59. Tare makumi mbina nane juni. Paragraph 45. Mtajo wa 185. Nitasema cha mwisho. Je vais dire la dernière parole. Siku zitakuya. Les jours qui viennent. Tutaongea juu ya ndoa na talaka. Nous parlerons du mariage et divorce. Amen. Juu ya nini? Pourquoi? Nikichanga ndoa na talaka sai. Si je mélange le mariage et divorce maintenant. Bienye mulisikia bitaponyoka. Ce que vous avez appris avant, ça va s'échapper. Murudiane tu na habari za polygamie. Mieux que vous rentrez avec les, amen, la polygamie en tête. Na mwenye atakudanganya. Et celui qui vous trompera. Akwambie qu'il te dise, Mubranam mulikuwa ba polygame. Dans le Branham tabernacle, il y avait les polygames. Siku nitaprêcher ndoa na talaka. Les jours que je viendrai prêcher sur les mariages et divorces. Ndakuprouver kama mkanisa la Branham hamkukuwa ka ba polygame. Je te montrerai que dans l'église de Branham, il n'y avait pas de polygame. Benye balikuwa kamo. Ceux qui étaient dans son église. Ni ba marié divorcé. C'était des mariés divorcés. Ni wenye waliowaka mara mingi na wakaachanaka mara mingi. Akaoa, akaacha. Anaacha. Il tena laisse sa femme. Anaoa. Il se marie. Anaacha. Il laisse la femme. Analeta bibi. Il amène la femme. Banatengana. Il se sépare. Anakuya amini. Et puis il croit. Iko na mwenye haiko bibi yake wa kwanza. Anaea celle qui n'est pas la, sa première femme. Mais ule wa kwanza. Mais la première femme. Naye kwenye alienda kalishaka olewa. Là où elle est partie, elle s'est déjà mariée. Hawezi tena murekipere. Elle ne peut plus rentrer chez elle. Bale njo balikutaniwaka mwasamble. Ce sont ceux-là qui étaient dans l'église de Branham. Ya Branham. L'église de Branham. Mais ce n'était pas des gens qui entraient étant des polygames avec plusieurs femmes. Je vais toucher ça quand je vais prêcher mariage et divorce. C'est quelqu'un qui est chez lui. Il se sépare. Angali kwabo. Elle est là. Quelqu'un d'autre récupère la femme. Ule bwana yako naye. Ou le premier homme. Al shaka oa naye kule. Il s'est déjà marié là où il est parti. Naye iko na batoto. Il a des enfants. Hamwezi kutana tena. Vous ne pouvez plus vous réunir. Mais ni vya mukipagani hapana mneno. Ce sont des choses qu'ils faisaient dans le paganisme, pas dans la parole. Kivifanya mneno hauruhusiwe kuoa. Si tu le fais dans la parole, tu n'es pas permis de te remarier. Amen. Ukivifanya na ulisha amini. Si tu le fais pendant que tu as déjà crié. Funga mkaba hatutakupaka mwanamke. Tu dois serrer ta ceinture parce qu'on te donnera plus jamais une autre femme. Amen. Na ukidécider ku divorcer vous parole. Et si tu décides de divorcer dans la parole. Kaza mishipa. Oui, tu dois serrer la ceinture. Hakuna mchungaji atakupa mwanamke. Aucun pasteur ne te donnera une femme. Kamwe. Funga roho. Dio, kama bibi atakuwa pale na wewe unakuwa pale. Si la femme sera là et toi tu es là. Mais usiku yake sema munipesere hapa. Donne-moi une série ici. Motif est moi ya kuoa pour la deuxième. Un seul motif pour se remarier pour la deuxième fois. Wakati ule bibi alikufa. C'est lorsque ta femme est morte. Amen. Pweba. Mwisho pale. Kama ngali hai tu. Si elle est vivante. Ata munakuwa munakutania nyebo te humu. Même si vous vous rencontrez tous ici à l'église. Oui, parle, toi là-bas. Na yeye parle, et l'aussi de l'autre côté. Buwana, na ne, on ne peut pas te donner un mari ou une femme. Non, non. Amen. Mukipatana, si vous vous réconciliez, très bien. Ok. C'est ce que Paul dit.
Yale Paul anasema. Ngoja nipa basomee. Mubisikie mzuri. Ecoutez-moi très bien. Mushikwe mnakimbia kuwafukuza sema nishaona kafie mule. Pasta takanipatia utakoma. Ne vous pressez pas à chasser votre épouse disant que j'ai vu une belle fille là, le pasteur va me la donner. Bongo! Non. Au mupewe. Tu ne l'auras jamais. Kitaka mpewa unaenda kwa polygame. Si tu veux la voir, va chez le polygame pas ici. Kumia kolijiwe ya kitengo. Wewe et puis nous allons t'excommunier. Amen. Amen. Mumiyue. Amen. Retenez cela très bien. Ah. Baba Flat, on a ni compliqué. Oh, la femme est compliquée. Vous voulez m'assembler, mon copain frère. Dans cette église, il y a beaucoup de frères. Bongo. Non. Non. Vous tabaki à vous même 100 ans. Vous allez rester ici même 100 ans, un siècle. Amen. Mon copain frère. Vous êtes le frère. N'abana ko iko pale. Et puis il y a des hommes qui n'abana ko iko n'abana ton mari là-bas. Ton mari est là. Wale iko kule nje. Mwende mpatane. Va, allez vous réconcilier. Bana kutuambia nilishaona ba frère mbe. Ne nous dis pas non, j'ai déjà vu des frères ici dans. Hauko eligible. Non, tu n'es pas éligible. Hauko donc kubenye banaweza kubaliwa kubifanyiziwa. Tu n'es pas dans les critères pour que l'on puisse faire ça pour toi. Amen, amen. Je vais tourner ça kwepa polygamie, banaenda nguka mu mariage et divorce. Amen. Parce que vous pouvez échapper à la polygamie, vous allez tomber dans les mariages divorce. Non. Apana. Non. Non. Bana. Sikia vile maandiko inasema. Écoutez ce que disent les écritures. Ubisikie bien na bipenye. Écoutez cela et que ça entre profondément. Na mwenye tabikuleteaka anatafuta kujaribu na mwambia nishaka bisikia. Quelqu'un qui t'amènera ceci pour te tenter, tu diras j'ai déjà suivi ceci. 1 Corinthiens 7:10. Wa Korinto wa kwanza 7:10. À ceux qui sont mariés. Kwa wenye walikwisha oana. J'ordonne non pas moi. Nina agiza na si mimi. Mais bali le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Bandugu wapenzi. Aseme bibi asiachanake kamwe na bwana yake. Si elle est séparée, kama anaachana naye, qu'elle demeure sans se marier. Abakie bila kuolewa tena, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Au basi aenda patane na bwana yake. Ehe. Et que le mari na mume naye ne répudie point sa femme. Mume naye asifukuze bibi yake. Muke wake. 1 Corinthiens wa Korinto wa kwanza 7:10, 7:10, 7:10, 11. Na 11. Vous avez deux voies. Muko na njia mbili. Ou bien au vous vous cherchez encore, vous vous coopérez, vous rentrez. Munatafutana, munaelewana, munarudiana. Ou bien au chacun reste de sa façon. Kila moja nabaki ngambo yake. Sans toucher autre femme. Bila kugusaka kumwanamke au mwanaume mwingine. Ruka pale. Hivi mwisha zoea kuruhusiwa na mapasta zenu. Ah frère, hivi anamaliza kule 2 ans, c'est une preuve que hata kuyaka tena tutakupasser. Ni marchandise ya kuikule. Et ne rentrera plus, on va te chasser de là. Mukamate babibi yenu mzuri. Amen, amen, amen. Haiko kadogo mimi naenda kwetu. Non, non, c'est pas juste moindre pépé. Haiko kadogo, toka pale wewe. Non. Pana. Non. Ukidecide kumwambia hatutaonana tena na iwe kwamba hutaoa tena. Si tu décides de lui dire on se sépare, sache que tu kama ni 10 ans, kama ni 10 ans zinakuwa 10 ans. Si c'est 10 ans, vous allez faire 10 ans. Kama tendaka mkaburi vile unaenda mkaburi na huko non marié. Si vous serez mort, vous serez mort, vous serez enterré sans être marié de nouveau. Na ukipata bahati. Si ule kwenye iko anasikia bisirani anaenda olewa. Cette femme là elle part se remarier. Hauwezi murekipere na lisha olewa. Si ne peut plus la récupérer parce qu'elle est chafuliwa na mwingine. Parce qu'elle s'est déjà souillée avec un autre homme. Njoo equation tena ilikuwa kamba ya buwili inakuwa ya butrua. Mungu baba. Ça devient un problème très compliqué. Na siku nasema mimi naona mimi natamu samee ni murekipere. Et lorsque tu dis je sens que je peux lui pardonner, je vais la récupérer. Bwana kuambia alishaole. On te dit elle s'est déjà remariée hier. Ulishindwa kama murekipere na ngali kwabo. Tu ne l'avais pas récupéré pendant qu'elle était chez elle. Ulishindwa rudia mwake na haya oa. Tu avais refusé de rentrer chez elle pendant qu'il s'était pas encore marié. Vinakuona. Bon ça te grégale. Mais lakini mani bibi si c'est la femme mwenye bwana yake alienda oa dont le mari est allé se remarier akajibakiana na batoto yake la femme est restée avec ses enfants hauna kosa tu n'as pas de problème
Siku anachoka. Lorsqu'il s'est fatigué. Anakuya. Et qu'il y revient. Wenjo mwenye uko na droit ya ule bwana, ule wa pili hana ko droit. C'est toi qui as droit d'être marié par ce monsieur parce que la seconde femme n'a pas ce droit là. Ulibakia na batoto. Tu es resté avec tes enfants. Kenda mubuwerewere. Lui est parti dans ses histoires. Siku minamushinda narudia. Lorsqu'il y revient. Hawezi mkatala. Tu ne peux pas le refuser. Jouwe yuko bibi wa kwanza. Parce que tu es la première femme. Unapasha toi la bwana yako. Tu dois prendre ton mari. Mena contrairement. Contrairement. Wewe bwana ukifukuza bibi. Si ton mari le mari mubeba kule. Et que la femme soit hawezi mrekipere tena. Tu ne peux plus la récupérer. Na hawezi owa. Et tu ne peux pas te remarier. Mama e. Équation. Yesu Christo. Amen. Équation. Ça c'est vrai. Et nous voulons quelle équation. Est-ce que vous comprenez cette équation? Est-ce que vous avez saisi? Je répète. Mina irudilia. Bwana akifukuza bibi. Lorsque le mari chasse sa femme. Tant que bibi angali kwabo. Tant que la femme reste chez elle. Haya olewa. Et n'est pas remariée. Bahati ya kubapatanisha iko. Il y a chance de vous réconcilier ensemble. Mais où les mamans? Mais cette femme. A qui quoi récupérée par quelqu'un? Si elle est récupérée, remariée par quelqu'un. Hawezi tena kumutwala. Tu ne peux plus la récupérer. Jua mekua mali ya mwengine. Parce que le devient pour quelqu'un d'autre. Na amejichafula. Et elle s'est déjà souillée avec lui. Funga mkaba. Là tu dois serrer la ceinture. Mais mama wa bunyumba wa kwanza. Mais la femme, la première femme. Akiachwa na bwana. Si elle est laissée par son mari. Huyu bwana naenda wa mwengine. Et que ce mari aille prendre une autre femme. Kisha arudie kukutwala. Et puis il revient te récupérer. Ni bunyumba yako. C'est ton foyer. Anakutwala. Il peut te prendre. Anachana na ule bibi. Il peut laisser cette femme là. Anakuya. Il revient. Anakurekipere. Te récupère. Yeye haikuwa kukatala jua alikuwa alishaoa. Toi tu ne peux pas le refuser parce qu'il s'était remarié. Ok. Amen. Ni mwana anarudia kwake. C'est l'homme qui revient chez toi. Mana Paul anasema pale. Parce que Paul dit ceci. Mukiachana. Si vous vous séparez. Mukeshe. Vous devez veiller. Weye bibi. Toi femme. Hein, usiolewe. Ne va pas te remarier. Na weye mwana. Et toi homme. Hein, usiowe. Ne va pas te marier. Mutafute faso mutapatanaka. Oui, vous cherchez comment vous réconcilier entre vous. Na mimi ni nabawezaka. Et moi je vous. Usikimbilie kuonya bwana mnyangali sous émotion. Amen. N'allez pas exhorter quelqu'un qui est encore sous émotion, un homme qui est sous émotion. Usienda kionya bwana mnyangali na binyongo. Habasiki yake. Il n'écoute jamais. Amen. Habasiki yake. Il n'écoute jamais. Vape muda. Donnez l'air du temps. Muda inafundishaka. Le temps c'est un véritable enseignant. Oui oui. Mtu anasema usirudie unamlamukia kusema asirudie pastor asirudie. Nyamaza. Ne rentrez plus. Masiku zitamkofola. Et puis les jours vont les discipliner. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Bien. Il se sent très bien là. Quelques mois. Après quelques mois. Mon masturbation. Il rentre dans l'histoire de masturbation. Quelques mois. Après quelques mois. Ananza tubutubu. Il commence à se repentir. Quelques mois. Après quelques mois. Ananza kuposer ma question. Commence à poser des questions au sujet des écritures. Alléluia. Quelques mois. Après quelques mois. Unasikia nabambia mimi naona sitaweza. Commence à te dire je vois que je ne vais pas supporter ceci. Quelques mois, après un temps, alichomoka, il sort, a semé cette rudia, il dit je vais pas. Alors quand on a skié après chini ya kitofu kuna lo. Et puis il sent sous le nombril, ça fait mal. Le bas ventre, ça fait mal. Si tu as semé vitu. Amen. Kifukutu na kuachana. Ah, c'est histoire de se séparer. La température du divorce. Il est qui fukutu ya kuachana. Kuko kwenye na polaka. Ndiyo. Oh oui. Parfois ça se calme après un temps. Unaanza kusikia mutu. Vous venez écouter quelqu'un. Ça me j'avais commis l'erreur. J'avais commis. Oh, nilifanya kakosa. Mais ku mwanzo. Makali. Il était très strict et très sévère. Kumbe ni bisirani. C'était juste la colère qui était dans sa tête. Vraiment. Aseme, verset 12. Sharia 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Kwa wengine haikuwa sema bwana ni mimi. Si un frère a une femme.
non croyante et qu'elle est consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne la répudie point. Ou bien, si la femme dit à son mari, je ne me mêlerai pas à cette bande d'exaltés, je ne le ferai pas, je vais me séparer de toi et te quitter, vous ne quittez pas l'église, laissez-la partir. Et kama mwanamke atasema sita jichanga nile kundi la washupavu sita fanya hivyo bile bia kanisa yenu nitajitenga na wewe na nitaenda bile bia kanisa yenu sibitaki. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas. Ndugu na dada hawafungwe katika kesi hii. C'est-à-dire que si votre conjoint rompt avec vous et qu'il a l'intention de s'en aller à cause de cela. Kama mwenzako wa maisha hataki kubakia na wewe, vous n'avez pas à vous accrocher à lui. S'il a l'intention de vous quitter kama anania kukuacha, et qu'il veuille le faire à cause de Christ, anataka fanya vile sababu ya Christo, qu'il s'en aille. Mais lakini, vous ne pouvez pas vous remarier. Hawezi oa tena, au kuolewa tena. Ndiyo. Dieu nous a appelés à vivre en paix, vous voyez? Mungu alituitaka kwa kuishi kwa amani. Maintenant, sasa, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous remarier. Haimaanishi ya kwamba unaweza ukaoe tena au kaolewa tena. Il l'a déjà dit. Alishaka sema, vous n'avez pas à vivre avec un mari non croyant ou une femme non croyante s'ils ne le veulent pas. Mais hapa yule alishasema, vous ne pouvez pas vous remarier. Eti hawezi olewa au kuoa tena. Munauliza frère ni citation gani? Je pose la vous demandez ça c'est quelle citation? Écrivez-le. Muiandike. Très bien. Vizuri. C'est dans quelle citation? Ni katika mtajo gani? Question réponse 27 mai 62. Ujumbe unaitwa maswali na majibu ya tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka wa 62. Paragraph 37. Tajo wa question COD numéro 169. Ni katika kitabu mafundisho mwenendo wa kanisa. Kama sere hapa nasema vya kanisa mimi na dépose. Si la sœur dit ici, je dépose les histoires des églises. Na sita bakiana na wewe. Et je ne vais pas rester avec toi. Na jende ya kwetu. Je m'en vais chez. Hautatuomba kama mwanamke. Tu ne peux pas nous demander une autre femme. Même si elle est jouer quand elle a neno l'amour. Même si elle est partie parce qu'elle a refusé la parole de Dieu. Amen. Même bawe bali mutenga. Ou même si on l'a excommunié. Hawowe, tu ne peux pas te remarier. Tu dois serrer ta ceinture. Amen. Ça c'est comme Paul anasema mubembelezane murudiane. Est-ce que ça sanjo muda kuindana? Si Paul dit de vous réconcilier. Utende kuna mfanyizia vitu mwenye bitamulumisha roho asiku yake tena. Sera entre de la choper à chaque moment. Sutafanya moyo yako yote pour que wende kuna mfanyizia himatendo hitacha roho inarudia. Différent en sorte que tu fasses des bonnes choses qui feront qu'il soit content à tout. Sutafanya kisha mfanyizia vitu vya kumulumisha tena roho unamuelewanye tena mbali. Si tu la troubles presque chaque jour, tu seras en train de l'éloigner encore plus en plus. Amen, amen. Amen. Batu bakisha achana basi fanyiziane tena vibaya vya sana. Si les gens se séparent, qu'ils ne fassent pas des choses qui vont encore se troubler. Vitaacha tena roho za kupatana zinakatala. Ils vont faire en sorte que même les cœurs qui voulaient se réunir puissent se séparer. Plus si takatala, plus bahati yako ya kurudiana inashindikana. Et plus vous vous séparez, la chance de vous réconcilier sera en train d'être réduite. Plus calvaire yako inakuwa mrefu. Et plus ton voyage devient encore de plus en plus difficile. Nafsi yako inaanza tafutiwa na shetani. Et là ton âme sera en train d'être recherchée par le diable. Anguke tu. Et qu'il retire. Subibi haiko anguke sa. Wewe ndio uko natafutiwa. C'est toi qui es recherché par le diable. Amen. Amina. Iko question. C'est une question difficile. Ni jambo ngumu sana. Oh Hazal, hawezi. Oh, n'aimez pas au monde, oh. Njia mbili tu ndio ziko mwandiko. Deux façons, deux voies seulement pour. Nitazifundisha siku zinakuja. Je vais vous enseigner les jours qui suivent. Moya, le premier wakati mama amekufa.
La première voie, c'est lorsque votre femme meurt. Wala baba mekufa. Ou lorsque le mari meurt. Pili. La deuxième ni wakati mulibarikiwa kama message. C'est lorsque vous étiez béni dans le message. Ukadanganya ka fiancé yako kama uko bikira. Et que tu avais trompé à ton mari que tu étais vierge. Na kumbe hauko wai. Et pourtant tu ne l'étais pas. Wala ukalalanaka na banaume. Ou tu avais couché avec des hommes. Sa ya kufanya mariage. Et quand vous étiez marié. Ukamuficha. Et tu avais caché cela. Si kwa na vivumbula ke ulimudanganya. Lorsqu'il découvre que tu l'avais trompé. Na mulifanyaka mariage ukalapa hapa. Pendant que tu avais juré le jour. Ana haki ya kukufukuza na kuoa. Il a le plein droit de te chasser et de se remarier. Chenye kiliacha kuna ficha. C'est qui avait fait que tu puisses le cacher. C'est que ungana convention na ule mwenye ulifichia. C'est que tu as encore un accord avec le précédent. Mais ni benye balilunganishwa ka mu mariage ya message. Ce sont ceux-là qui étaient mariés légalement et dans le message. Bakaulizwa. Et on leur avait posé des questions. Et ils avaient giré cela. Bakasimama mubyabo. Et les serviteurs s'étaient tenus dans le mulifanyaka kule mukipagani. Mais ce que vous avez fait dans les paganismes. Avant mufike. Avant de venir. Akakuficha. Qui t'avait caché. Ata akitubu leo. Même s'il se repent aujourd'hui. Hawezi mushase. Tu ne peux pas la chasser. Apana. Parce que nous n'étions pas témoins entre vous. Utamusamehe. Tu dois lui pardonne. Na kama humusamehe, si tu ne peux pas te remarier. Amen. Amen. Ni benye tulilunganisha. Mais c'est là que nous avons uni nous-mêmes. Baka tuficha na baka fichana. Qui avait caché des choses et qui avait cette. Domana nyeba musika. C'est pourquoi vous fanye madega. Faites vos histoires. Même quoi que na courage à kuambia va fiancé yenu, j'ai fait ça, ça. Mais ça, ayez ça, quand même ça, le courage de dire à vos fiancés, j'avais fait ceci et ceci dans la vie. Kusiwe chenyu na muficha. Qui n'est pas quelque chose que tu le caches. Uki muficha. Si tu le caches. Même 10 ans après. Même après 10 ans. Kumi. Amen. Anaweza kufukuza. Il aura le droit de te répudier. Mwende kusoma l'union invisible. Allez lire l'union invisible. Mais. Lakini, mais, comme anaweza kukusamehe pi, mais comme il peut aussi te pardonner. Kwambia, il peut te dire, bon, je te pardonne. Je te pardonne. Nina kusamehe. Ndi? Namuna avance. Et vous avancez. Eh, oui, oui. Sans problème. Amen. Amen, amen. Vraiment. Il est ni enseignement d'Aïkouyaka na bichwa biko fraîche. Ça c'est un enseignement. Je viendrai quand les mémoires seront fraîches. Et tabonyesha divorce nini. Je vous montrerai ce que signifie le divorce. Matokeo ni nini? Les conséquences. Banani balisamehe waka? Qui était pardonné? Bakambiliwa murudie na bakezenu. Et on leur avait dit rentrer avec vos femmes. Hatuna muda kubomola vile vile. N'avons pas le temps de détruire ces choses. Na nitabaonyesha. Je vous montrerai. Kwa nini ya bidi sa uko fiancé uambie bwana yako fiancé yako maisha yako. Pourquoi lorsque tu es fiancé, tu as l'obligation de dire à ton fiancé toute ta vie? Amen, amen. Ili pourquoi akubakiane na nayua kama hakuna kitu nyuma. Qu'il reste avec toi sachant qu'il y a rien de caché derrière. Vile kanisa nalo linatubiaka kwa Christ sa ya baptême. Comme l'église se répand devant Christ lors du baptême. Mbele aliowe. Avant qu'il se marie. Unayo shurti ya kumjulisha. Vous avez aussi l'obligation de lui parler de tout. Amen, amen. Amen. Et j'insiste. Na mina sititiza. Ya kule inje haliko considéré kama mulikuwa hamu ya amini hapa. Ce que vous avez fait dans le paganisme ne nous concerne pas si vous n'avez pas encore. Ba marié venye banakuya na balishaka oana habako kwele condition. Les mariés qui sont venus pendant qu'ils étaient déjà mariés ne sont pas sous cette condition là. Amen, amen. Musameheane biishi. Vous avez l'obligation de vous pardonner mutuellement et cela se termine par là. Oh, frère. Madame alinambia binyalifanyaka zamani. Oh, il m'a dit ce qu'il avait fait avant. Oh non, non, tunamaliza deux mois, tu me baptises hapa, munitafutie fille. Tu vois, j'ai déjà fait deux mois de baptême, cherchez-moi une femme. Mais na m'profiter ça, ça. Au tampata. Tu ne l'auras pas. Hakuna. Samehe mwenzako. Pardonne à l'autre. Na usipo msamehe ni wewe ndio utaenda jehanamu. Et si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui iras en enfer. Na ukimfukuza hautaoa. Et si tu la chasses, tu ne te remarieras plus. Na mwanamke mwenye anajua haya tubiaka biebie kwa bwana yake. La femme qui sait qu'elle ne s'est pas repentie très bien devant son mari. Aende kumagoti. Qu'elle aille prier. Atafute bazee. Qu'elle cherche les anciens. Munisaidie nitoke hii muti na nilalia. Que les anciens l'aident parce qu'elle est sous un problème. Elle a un problème. Tu n'as mis chef Javiette. Courbons nos têtes. Amen.
Tutashuka muma doctrine. Nous allons descendre dans des doctrines. Paka siku tunahakikishwa kila mshiriki wa hapa. Si c'est que nous soyons convaincus que chaque croyant d'ici. Anajua maandiko. Il connaît les écritures. Amen. Mchunga babi yenu mzuri. Gardez bien vos femmes. Msingie mawazire tutaachana. N'ayez pas de mauvaises pensées de séparation. Ndabakia mi peke. Disant je vais rester seul, on va se séparer. Iko kwabo unaanza mtumia SMS za kumtukana. Ele chez elle tu commences à lui envoyer des messages choquants. Unalumisha roho yake tena zaidi. Tu troubles son cœur davantage. Possibilité ya kurudiana inaharibika. La possibilité de vous réconcilier tu détruis ça toi-même. Amen. Amen. Wana wetu Yesu Kristo. Seigneur notre Dieu. Tuko mbele yako. Sommes devant toi. Utukubali. Agrée-nous Seigneur. Ubariki neno lako. Bariki bénis ta parole. Na watu wako. Et tes enfants. Twataka kuhakikishwa kwamba. Nous voulons être certains que. Kila mtu ameelewa kusudi lako. Chacun a compris ta volonté. Ili kusiwe mtu atarate kunyakuliwa. Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui rate l'enlèvement. Kwa sababu alikubali mafundisho ya uongo. Parce qu'il a accepté une fausse doctrine. Amen. Utukubali tena asubuhi ya leo. Agrée-nous Seigneur ce matin. Tukubaliwe katika watu wa kunyakuliwa. Que nous soyons agréés parmi ceux qui seront enlevés. Na kama kuna mwenye hakuelewa. S'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris. Révèle-lui davantage, Seigneur. Qu'il soit révélé davantage. Pour que ce qui est important, que c'est là ce que tu nous donnes, Seigneur. Mujina la Yesu Kristo. On note Seigneur Jésus. Amen. 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 Une courte chanson. Wimbo mdogo. On fait la petite dernière cérémonie. Tufanye sherehe ndogo inayobakia.